Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui, je vais vous parler du film The Greatest Showman ou en français Le Maître de la scène en format combo Blu-ray DVD. C'est réalisé par Michael Gracie et sa mère vedette Hugh Jackman, Michelle Williams. On a également Zac Efron, Zendaya et Rebecca Ferguson. C'est distribué par 28th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 10 avril 2018. En fait, ici, c'est l'histoire d'un homme qui crée un musée de l'étrangeté en recrutant des gens exceptionnels, dont une femme à barbe, un homme chien, un géant, un nain, ainsi qu'un duo de trapézistes afin de créer un spectacle unique. Il attire les foules et fait parler de lui à travers le monde, mais pour lui, c'est pas suffisant et son rêve d'être respecté par les hautes sphères de la société ne l'arrête justement pas dans cette ascension. Et on se demande même jusqu'à où il est prêt à aller pour gagner la confiance des autres. Donc, si vous aimez les films, on pourrait dire, de spectacle, les comédies musicales, c'est un film ici que je vous invite à j'espère qu'il va attirer votre attention à ce sujet-là. Donc, voici un peu plus près la pochette. Voilà. À l'arrière, on retrouve quelques images des personnages, ainsi qu'une scène du film. On a quelques suppléments. Enfin, on a pour 2 heures de suppléments. Voilà. Bien sûr, beaucoup basé sur la musique. On a également une copie digitale qui est incluse. Ensuite, ce sont les mêmes images que sur la pochette cartonnée. Et on retrouve des pistes en anglais. On a également en espagnol. Et évidemment, on a bien sûr aussi anglais 5.1. Français, pardon, 5.1. Voilà. À l'intérieur, on retrouve ici le disque en Blu-ray, le disque DVD, et en arrière du feuillet, c'est le code de la copie digitale. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous aimez les films en lien avec les spectacles, les comédies musicales, je vous invite à vous procurer le film Le Maître de la scène, qui est distribué par 28th Century Fox et disponible en magasin depuis le 10 avril 2018. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.